Salut les gens! Et bienvenue sur notre chaîne YouTube! Passion Pokémon! Aujourd'hui, on a décidé de faire une battle d'ouverture de cartes Pokémon entre sisters. Mais avant ça, on voulait faire un petit remerciement à Louis100PKMN qui nous a gentiment et généreusement envoyé un petit colis avec plein de cartes code, donc les cartes qu'on trouve dans les boosters, pour que Boubou et Motis Madex puissent compléter leur collection sur le jeu Pokémon en ligne. Merci Louis! Merci! 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 On se retrouve pour l'ouverture des trois coffrets lansoriens de célébration. Donc, chacune en a un et on va voir lequel aura les meilleurs hits. Que la meilleure gagne! Voilà, c'est ça! On vous refait un petit récap rapide du contenu de ces coffrets. Alors, c'est des coffrets qui ont pas mal tourné. Le quota, on sait pas trop, hein, mais Célébration, c'est une extension qui est vraiment très généreuse. Alors, à mon avis, on va quand même avoir des petits trucs. Ou en tout cas, on l'espère. Comme ouais. Star étincelante. Voilà, c'est ça. Sauf que ce qui est sympa dans les célébrations, c'est de retrouver toutes les vieilles illustrations, toutes les cartes qu'on pourra jamais s'offrir en vintage. C'est ça. Avec le petit logo Pikachu. Voilà, donc comme vous avez pu voir sur la présentation, on a sorti toutes nos figurines collector pour qu'elles nous portent sens dans cette ouverture et qu'on puisse avoir un maximum de cartes super rares aujourd'hui. C'est ça. Donc, dans le coffret, oh, c'est compliqué. On a donc les boosters de célébration, un règne de glace. Je crois que c'est ça dans tous les coffrets pour le règne de glace. Oh oui, c'est possible. Je crois qu'il y a aussi style de combat. On a aussi, si j'arrive à l'enlever, le gros jeton Pikachu. 25 ans. 25 ans, donc avec les petits 25. Un gros jeton très sympathique. Et ensuite, on a la Jumbo, donc de Lansorien. Alors, ces cartes-là, je connais vraiment pas du tout, c'est pas du tout ma génération. Donc, je peux pas vous dire ce que c'est comme carte. Ah, mais zut, j'ai oublié la carte promo. Oh là 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 là. Le massacre. Catastrophe. Le Lansorien. Donc, ouais, elle est jolie par contre. Voilà, hein. Donc il y a tous les bords qui brillent avec un petit côté un peu miroir holographique. Ouais, argenté. Très très mignon, le petit logo des 25 ans qu'on retrouve. Sur toutes les cartes. Et puis on a aussi, et ce qui est très important, le classeur. Et super pratique pour ranger toute la collection des 25 ans. C'est ça. Voilà, donc pour l'instant, il est vide, mais on espère le remplir aujourd'hui avec de très belles cartes. Voilà. Et puis pour finir, un petit poster donc qui explique le Lansorien, qui est un Lansorien prime. Je ne connaissais pas du tout. Avec des explications. Voilà. On va débuter cette ouverture avec Boubou, qui avait déjà ouvert son coffret. Donc voici les trois boosters qu'elle a eu et on espère qu'elle aura de la chance. Alors, commençons tout de suite l'ouverture avec le Célébration. Donc c'est Boubou qui va ouvrir la première. Et le tout premier booster, parce qu'on n'avait encore jamais ouvert. Donc on espère qu'on aura de la chance. Tu veux dire qu'elle aura de la chance? Oui. Ah oui, c'est vrai que c'est une battle entre vous. Que la meilleure gagne. Je crois qu'il n'y a pas de manip particulière non, oui. Sur ces cartes-là. Alors. Oh. Trop belle la carte. On commence avec un. Non. Non. Yveltal. Très belle. Ça, tu connais. Attends, Yalga. Elle est juste là. Jolie. Oh, oh la flèche. Attends. Ah bah ça y est. Florizarre. Bah ça y est, tu packs une des cartes les plus recherchées de l'extension. Bon, bah bravo. Et on termine avec un Solgaleo. Oh là là, Solgaleo. Oh là là. Le Pokémon préféré de Professeur Ginette. Ah ouais, elle est texturée, oh la vache.
Waouh, super Boubou. En tout cas, elle est magnifique. On la met à côté de ton copain. Ah ouais, voilà, tu vois, on a bien fait sortir les figurines vintage pour nous porter chance. Et là, dans l'autre booster, elle pack New Gold. Eh ben peut-être, voilà. Bon, allez, second booster. Ou Tortank, starter. Ou Dracaufeu. Ou un Mega X, vu que c'est son Pokémon préféré. Ouais. Oh, un petit Dracaufeu, on dit pas non. Hein. On dit jamais non. On dit jamais non, en effet. On aime toutes les rares, toutes les ultra rares. Alors, vas-y. Non, pas le sens. Ouais, voilà. Non, oui, oui. On commence avec un Palkia. Ouais. Elle est abîmée sur le dessus. C'est pas grave. Un petit peu. Reshiram. Ça, tu connais. Groudon. Ouais. Et... Oh, oh, génial. Pikachu volant. Oh, le trop beau. Trop mignon. Ces derniers temps, il y en avait plein dans Pokémon Go, des Pikachu volants, pour ceux qui jouent. Il fallait en attraper pour remplir une mission. Bon. Les sleeves tombent du ciel. Comme Pikachu qui vole. Ah ben voilà, ben c'est ça, c'était les sleeves volantes avec Pikachu volant. Ou alors c'est lui qui les a lancés pour dire « Range-moi dans un sleeve !» C'est ça, protège-moi. Et dernier booster, donc l'Orine de glace. Bon, on s'attend pas à grand-chose, surtout que là on a déjà eu des petits trucs pas mal du tout. Tu veux dire très bien même. Ouais, et puis Reine de glace, t'avais ouvert surtout une display en japonais. Ah ouais, c'est vrai. Dans laquelle t'avais pas mal de choses. 1, 3, 4, 1, 2. Alors... Tiens, on commence avec un Loclas. Il y a sa dresseuse derrière. Ah oui, il y a Lona, il me semble. Rivaldin. Ramolos de Gala. Il attend qu'un coquillasse lui mord la queue. Smogogo. Smogo. Ouais. Tu fais. De Gala. Énergie. Combat. Sol. Combat. La Pigro. Oh bah alors, Agatha. Ah, c'est celle qui te fait peur. C'est la vieille mamie bizarre. Boule de cristal. Brume. En reverse. Cimetière ancien. Ça et fait peur, non? Oh. Non. Oh. Waouh. Bah dis donc. Oh. Super coffret lance-oreille. Ah, mais c'est clair. Bah bravo Boubou hein. Ah bah Boubou, t'as de la chance cette fois-ci. Bon, les filles, vous allez avoir la pression là. C'est clair, 3 boosters, 3 hits, bah ça va être compliqué de faire mieux. Une petite alternative, je pense que ça remontera l'euro. Alors, j'ai également déballé mon coffret, de toute façon vous l'avez vu tout à l'heure. Donc, allez, on commence par la célébration, on fait comme Boubou. Recopier. Allez. Il faut que je fasse mieux. Parce que tu vas avoir les super cartes et après une autre hit. Voilà, ouais. C'est ça. Mieux dit Mew. Un autre starter, Dracaufeu peut-être. Ouais. Alors, qu'on n'a pas encore eu. Lugia. Tiens, c'est le même fond. Ouais. Cosmovum. Elle est trop belle. Et... Un petit Pikachu Surfer VMAX. Bah super, très joli. On dirait qu'il est en train de tomber parce qu'il agite les petits bras. Non, je vais couler. Il a pas l'air d'être très le même en doudou en fait. Ouais, c'est ça. C'est le petit Pikachu patate. Donc, moi, j'en ai un plus grand. Première carte pour moi. Voilà. Premier hit. Très bah, ça commence joli. Bien, écoute. Pour remplacer la Métalos. Alors, ensuite, deuxième booster. Ça me fait bizarre de pas faire de manipulation. Bah oui, c'est ça, c'est que t'as pris l'habitude d'en faire tout le temps. Oh, trop belle. La Xerneas. Oh, une de tes cartes préférées en plus. Ouais. Reshiram. On l'avait déjà. Ouais, tu l'avais déjà. Mais elle est très jolie. Cosmog. Oh, elle est trop mignonne. Et... Recherche professorale en holo. Voilà. Bon, je crois que ça va être difficile de battre Boubou maintenant. Si, avec une alternate. Ah, c'est ça. Ça m'étonnerait, mais bon. Déjà, je trouve qu'elle a eu beaucoup de chance, hein, parce que
Franchement, Règne de glace, c'est vraiment compliqué. Comme style de combat et point de fusion. Ouais, c'est ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Tu retrouves ta bonne vieille manip. Bon, c'est ça. Bon, moi, on a deux Pikachu qui sont vraiment très sympas. Alors, ouais. Rocabo, Polichombre, Morpheo, forme brume. Morpheo. C'est ce que j'ai dit. Fantominus, Wooshours, Énergie foudre, Spectrum, ah, son évolution, sympa. Docteur. Trop belle. Très jolie. Fougleur. Très jolie illustration. Oriver, Scandine et rien du tout, un petit trio piqueur. Très joli. Bon, ben pour l'instant, c'est Boubou qui gagne. Ouais, moi j'ai perdu. Sniff, sniff. Et dernier coffret, celui de Motismadex. Alors, est-ce qu'elle va réussir à battre Boubou? Je n'en sais rien. On va le découvrir assez rapidement. Alors. Allez, Motisma, un petit que nous avons de bon. Ouais, un gold préféré. Tiens. Alors, Reshiram, Kyogre, Groudon et Solgaleo. Oh, trop belle. Premier booster, plutôt normal. Plutôt simple, le petit premier booster. Ensuite. Deuxième booster. Ah ouais, je t'ai même pas demandé si tu voulais commencer par le célébration ou le règne de glace. Je voulais commencer par le règne de glace, mais c'est pas grave. Désolé, Motismatex. Parce que comme on a fait la même chose avec Boubou, je sais pas, j'ai oublié de te demander. Voici. Groudon. Oh oh. Lugia et... Mignon! Ah, trop mignon! Elle était pas en gold, tout ce qu'elle est normale! C'est ça, il y avait quand même un Mew dedans! Bon, bah, très mignon ce petit Mew! Et le dernier booster de cette ouverture, le Règne de Glace! Avec Sulfuré de Galère dessus! C'est ça, comme moi ou Boubou, je sais plus! C'était Boubou? Ouais, c'était bah, comme moi. Boubou alors! Bah, espérons qu'il te porte aussi chance alors. Ah, je ne suis pas sûre. Alors. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et voici. Flambino. J'avais son évolution avant. Ouais. Galekid. Stalgamin. Venipat. Trop mignonne. Ouais, illustration. Lizzy, énergie feu, Bastien, Spectrum, encore, Fogler, ah, bon, encore, mais très joli, Chapotus en reverse trop et Kémorse. Ah bah là t'as les évolutions. Oui. C'est ça. Bon et ben voilà. Bon malheureusement. Motismadex n'a pas eu de chance sur ce coffret. On espère pour elle que ça se rattrapera sur la prochaine ouverture. Bon, bah cette fois-ci, voilà, la grande gagnante, c'est Petit Boubou. Pour cette donc, voici le récap. Donc, dans ce qu'a eu Boubou, il y a le Florizarre Starter, vraiment super beau, beaucoup de chance. Le Métallos de Reine de Glace, VMAX. Un petit Pikachu volant, V. Et moi, j'ai eu le Pikachu Surfer VMAX. Donc on espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment avec nous. Et puis surtout, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Et sur ce, salut les gens!